Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne 100% Guitare avec Francis. Et oui, nous sommes déjà rendus à la troisième capsule. Donc, comme promis, je vous parle aujourd'hui de transposition et des fameux 72 accords en 5 minutes. Finalement, je me suis trompé, c'est pas 5 minutes, c'est plutôt 5 ans. Ben non, c'est pas vrai. C'est vraiment en 5 minutes. C'est-à-dire, je vais vous montrer 6 positions. 6 positions d'accords, donc des formes d'accords, la façon qu'on va placer nos doigts ici sur le manche et qui va nous permettre de transposer dans toutes les tonalités possibles, c'est-à-dire les 12 tonalités possibles en musique. Et en même temps, c'est une bonne façon d'apprendre les notes sur notre guitare, c'est-à-dire on va y aller avec l'essentiel pour aujourd'hui, on va revenir aux autres. Mais on va apprendre nos bases, donc notre sixième corde, qui est notre grosse corde, dans le fond, qu'on appelle des fois, malheureusement, la première. Et non, la première, c'est la petite corde. Donc, la sixième corde, c'est vraiment notre grosse corde. Donc, apprendre les notes de la première frette ici jusqu'à la douzième frette et la cinquième corde aussi. Pourquoi? Parce qu'avec ça, on va pouvoir aller chercher tous les accords majeurs, les accords mineurs et les accords septièmes. Donc, je vous montre aujourd'hui trois formes d'accords. Ce sont les formes essentielles à savoir. Vous allez pouvoir faire toutes les chansons que vous voulez dans l'univers avec ça. Donc, les accords majeurs, mineurs et septièmes. Donc, on va commencer par la base sixième corde. Puis ensuite, je vais vous montrer. Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner aussi. Il va y avoir une séquence d'accompagnement qui va être aussi, qui va aller avec la capsule 3. C'est-à-dire, vous allez pouvoir répéter vos accords. Donc, vous allez avoir le choix. Dans le fond, je vais vous faire juste entendre les basses, dans le fond, finalement, par une basse et par une guitare. Donc, dans le fond, vous allez avoir les enchaînements des 12 tonalités. Donc, exemple, je vais partir ici en 12e fret. Donc, mi, la, ré, sol, do, fa, si bémol, ainsi de suite. Je vais revenir tantôt en détail, de toute façon. Vous allez avoir ça comme genre un accord par mesure. Vous allez pouvoir décider ensuite la qualité d'accord. Quand je dis qualité d'accord, savoir si c'est majeur, mineur ou septième. Donc, je commence sans plus tarder sur nos bases, c'est-à-dire notre base de sixième corde ici. Toujours vis-à-vis de notre troisième fret. Donc, on va commencer avec un sol. Donc, le sol majeur qu'on avait vu lors de la première capsule. Donc, on va y aller avec des accords barrés, bien entendu, pour être capable de les transposer partout. Donc, on va barrer nos 6 cordes en 3e fret. Notre deuxième doigt qui va aller chercher la note Si, donc sur la 3e corde de la 4e fret. Ensuite, 3e doigt sur la 5e corde de la 5e fret. Et notre petit doigt, 4e doigt, sur la 4e fret, c'est-à-dire la 4e corde de la 5e fret. Donc, ça va me donner l'accord de Sol majeur. Donc, sol majeur, ce qui est important à retenir ici, c'est sûr que les notes, l'intérieur aussi de toutes les notes de l'accord qui sont répétées, ça va être bon à prendre aussi. Pour l'instant, on va s'attarder surtout sur les fondamentales. Les fondamentales, c'est la première note de l'accord. Donc, sol ici, ça va être notre forme majeure. Donc, la façon qu'on place nos doigts ici, ça va nous donner l'accord majeur avec une tierce majeure, donc un si. Si je vais au deuxième accord, comme qu'on avait parlé dans notre formule, c'est-à-dire notre capsule 2, j'enlève mon deuxième doigt ici, ça fait place à la note ici qui est si bémol, donc. Donc, ça va être la même forme mineure partout sur le manche ici. À chaque fois qu'on va jouer ici, ça va me donner des accords mineurs automatiquement. La chose à se souvenir, c'est notre fondamentale. Donc, si on est en sol ici, ça va me donner sol mineur. Si je suis en cinquième fret, ça va me donner la mineur. Ainsi de suite. On va les voir tantôt en détail. Donc, je suis rendu déjà à mon troisième modèle à suivre notre forme pour notre main gauche ici. Le modèle de l'accord sol septième. Donc, sol septième, on part de notre accord majeur qu'on a vu tantôt. Je fais juste enlever mon premier doigt ici.
Donc, mon petit doigt, quatrième fret. Quatrième fret, je dis toujours quatrième fret, c'est cinquième fret de la quatrième corde plutôt. Donc, comme ceci. C'est drôle, mais c'est un petit peu spécial cet accord-là. On enlève un doigt, mais dans le fond, on rajoute une note à l'accord. C'est un accord de quatre sons. On va en parler éventuellement dans d'autres capsules aussi. C'est-à-dire qu'il y a les notes sol, si, ré et fa. Donc on rajoute la note fa. En enlevant notre petit doigt ici, on rajoute la note fa qui se trouve être la septième mineure. Donc le modèle septième. On peut transposer partout seulement. Je fais que ça, c'est nos trois modèles de base. Sixième corde, donc majeur, mineur et septième. On va faire la même chose ensuite pour notre basse cinquième corde. En passant, pourquoi je vous montre ça, basse sixième corde, basse cinquième corde? C'est justement pour éviter, exemple, on a un enchaînement d'accords dans une pièce, on commence sur un fa, on s'en va, exemple, deuxième accord, c'est le si bémol. Mais là, vous voyez le saut que ça me fait faire ici. Tandis que si je prends mon si bémol qui est juste en dessous ici, j'ai juste à faire. Donc fa, si bémol. Donc ça m'empêche de faire des sauts inutiles quand on a des mouvements rapides à faire. Donc si la pièce est rapide ou peu importe aussi. Des fois on essaie de toujours faire des mouvements le plus conjoints possible quand on fait des accords pour avoir des notes communes. On viendra aussi éventuellement là-dedans. Donc je reviens à mon sujet du jour, c'est-à-dire nos accords majeurs, mineurs et septième. Et là on est rendu à la basse cinquième corde. Donc, on va aller juste en dessous du sol de tantôt. On a notre Do ici. La note Do. Je vais vous montrer deux façons de le faire, l'accord majeur. C'est-à-dire que vous pouvez le faire barré comme ça. C'est-à-dire que je vais appuyer sur mes cinq cordes. Bien important, le détail des fois que les gens oublient, quand on fait un accord barré, basse cinquième corde, on ne veut plus entendre la sixième corde. Donc, on l'oublie. Notre fondamental, c'est vraiment notre cinquième corde. Fait que la plus grosse note qu'on va entendre, la note la plus basse, c'est celle-là ici. Fait que voilà, ici pour le Do, on barre toutes nos cordes. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais barrer, je vais vous donner deux choix, c'est-à-dire avec le troisième doigt, vous allez pouvoir barrer quatrième, troisième et deuxième corde. Donc barrer trois. Ça me donne l'accord de Do. Sinon, vous pouvez le faire avec le deuxième doigt, troisième et quatrième doigt, ici. Donc, vous avez deux formes. Donc, ça, c'est notre accord, le modèle majeur qu'on va pouvoir transposer. Moi, des fois, je le fais avec le petit doigt aussi. Ça dépend. Donc, voici pour l'accord majeur de notre basse cinquième corde. Ensuite, pour l'accord de Do mineur. Tout simplement, on va chercher, on barre nos cinq cordes encore, même chose ici. Notre troisième doigt sur notre quatrième corde de la cinquième fret, toujours. Notre petit doigt, quatrième doigt en cinquième fret, sur la troisième corde. Donc ça me donne Do, Sol, Do. Et je vais chercher Mi bémol ici. Donc, sur notre deuxième doigt, avec notre deuxième doigt sur la deuxième corde de la quatrième fret. Donc, c'est notre accord modèle mineur, base, cinquième corde. Donc, on va pouvoir transposer partout. Encore là, toujours retenir la fondamentale. Et notre accord septième. Je barre encore mes cinq cordes. Je vais chercher encore ma note sol ici sur la quatrième corde, cinquième fret, et notre petit doigt, quatrième doigt, sur la deuxième corde de notre cinquième fret. Fait qu'encore là, ici, on enlève un doigt. Si on compare avec notre accord majeur, j'enlève un doigt, mais je rajoute une note, un accord qu'on a mis à quatre sons finalement. Donc le Do, Mi, Sol, Si bémol. Donc on va voir ensuite les accords. Dans la catégorie de septième comme ça, il y a des accords avec des neuvièmes, des onzièmes, des treizièmes. On va tout voir ça éventuellement. On va se limiter juste aujourd'hui pour transposer
ces 6 modèles-là. Fait que pourquoi que ça donne 72 accords? Et voilà, la petite surprise, c'est que vous allez apprendre ça partout sur le manche. Donc, si je prends l'accord majeur, basse sixième corde. On y va, on part ici. Je vais partir en 12e fret. Fait que l'exercice que vous allez avoir d'accompagnement va partir en 12e fret. Fait que soyez pas surpris, ça va donner l'accord de mi. Après, je prends mon modèle cinquième corde majeur. Do, je vais rechercher juste en dessous aussi. Ça me donne la. Donc, mi, la. Je descends ici en ré. Sol. Toujours accord majeur. Do. Fa. Si bémol. Mi bémol. La bémol. Ré bémol. Sol bémol. Si. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est tous des accords majeurs. Et là, je vois, quand je vous donne le nom de l'accord, c'est le nom de la fondamentale, c'est toujours le nom de la sixième corde, nom de cinquième corde, nom de sixième corde, nom de cinquième corde, et ainsi de suite. Donc, on va le faire comme ça. Puis, ça va être bien indiqué aussi sur la partition qui vient avec la capsule numéro 3. Chaque modèle d'accord va être indiqué avec l'endroit où il joue, c'est bien certain aussi. Ce que je voulais vous mentionner aussi, c'est qu'ensuite, quand on a fait notre... Ce mouvement-là, ce qu'on appelle un cycle de quinte, dans le fond. On va le répéter, mais un demi-ton plus bas. Autrement dit, j'ai parti sur mi, la, ré, sol, do, fa. Ensuite, quand je suis rendu ici en si, je vais le repartir en 11e fret. Donc, en 11e fret, toujours même modèle. Mi bémol, la bémol, ré bémol, sol bémol, si, mi, la. Ré, sol, do, fa, si bémol. Ce que ça fait, ça, c'est qu'on vient de couvrir tout le manche, tous nos accords majeurs. Donc, si vous cherchez un accord majeur, comment je joue mon ré bémol, Francis, des fois, on peut me demander ça dans mes cours. Ben, avec ça, vous allez avoir mon ré bémol. Et voilà, vous allez le savoir tout de suite, ça va être réglé à jamais. Fait que c'est très bon aussi pour pratiquer vos gammes. Donc, le modèle, c'est-à-dire la capsule numéro 1 qu'on a vue, vous aviez le modèle. Donc, sol majeur, ben, exemple, vous avez une pièce en la, puis là, vous dites, ah, OK, mon la est ici. Même modèle pour le doigté de ma gamme majeure, ainsi de suite, en si, en do, en ré. Ainsi de suite, ainsi de suite. Un petit détail que j'ai omis de vous parler tantôt aussi, ça va être indiqué sur la partition, c'est souvent, on a deux appellations, on appelle ça des notes en harmonique, c'est-à-dire des notes en harmonique, ce que ça veut dire, c'est le même son, mais pas le même nom, dépendamment du contexte dans lequel elle est, c'est-à-dire dans quelle tonalité. Exemple, tantôt j'ai parlé de 11e fret, si on est en mi bémol, mais mi bémol, si je pars de mon mi puis je descends d'un demi-ton, ça me donne mi bémol. Mais si je pars de ré puis je monte d'un demi-ton, ça me fait ré dièse. Donc, ré dièse et mi bémol, on s'entend, c'est le même son. Donc, fait que ça va être indiqué, inquiétez-vous pas, sur la partition. Donc, mi bémol ou ré dièse, ainsi de suite. La bémol ou sol dièse. Ensuite, vous avez do dièse, ré bémol. Sol bémol, fa dièse, ainsi de suite. C'est toutes des choses qui vont être inscrites sur la partition. Donc, ensuite, on va aller dans le même esprit que ça, sauf avec les accords mineurs ensuite. Donc, mi mineur. Bon, l'accord de tantôt, vous vous souvenez. Mon modèle mineur ici qui était sol mineur. Je reprends, je transpose en mi mineur ici. Donc, en 12e fret. Ensuite, on avait mon modèle Do mineur en 5e fret. Excusez-moi, en basse 5e corde. Ben, je prends ce modèle-là, je le transpose, je m'en vais en la mineur. Donc, on fait tous les accords mineurs avec les mêmes positions qu'on s'est parlé tantôt. Donc, Mi mineur, La mineur, Ré mineur, Sol mineur, Do mineur, Fa mineur, Si bémol mineur. La bémol mineur, Ré bémol mineur, Fa dièse mineur ou Sol bémol mineur, Si mineur.
11e fret et on fait le même. Là, je vous le fais rapidement, mais c'est certain que sur la séquence d'accompagnement que vous allez avoir, j'ai mis la vitesse environ à 80 BPM, 84 je crois, avec un petit drum à l'arrière, vous allez entendre ça. Ça va être juste agréable pour répéter. Donc, vous allez avoir une mesure par, donc 4 temps par accord. Donc, puis moi, je vais faire juste les fondamentales. Comme je vous dis, vous allez pouvoir pratiquer la qualité d'accord que vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez pratiquer les accords majeurs un temps, un accord mineur, un accord septième, c'est à vous de décider. L'important, finalement, c'est de que vous appreniez vos bases 6e corde et 5e corde. Ça va vous permettre de comprendre où est-ce qu'ils sont situés et d'être capable ensuite de bien improviser avec la bonne gamme au bon endroit. Donc, c'est quand même merveilleux. On est rendu déjà à l'accord 7e. Donc, tantôt, on avait vu basse 6e corde, mon sol 7e ici. Et ensuite, 5e corde, mon do 7e. Donc, on va prendre ces deux modèles-là. On va les transposer, donc, mi en 12e fret, mi 7. La 7. Ré 7. Sol 7, Do 7, Fa 7, Si bémol 7, Mi bémol 7, La bémol 7, Ré bémol 7, Sol bémol 7, Si 7. Je repars en 11e fret maintenant. Mi bémol 7, La bémol 7, Ré bémol 7, Sol bémol 7, Si 7. Je sais, autrement dit, c'est juste les mêmes formes toujours qu'on on va en apprendre plein de formes. Je vais vous en montrer plusieurs et dans un contexte aussi de chansons, de standards de jazz éventuellement aussi. Vous allez voir, il y a plusieurs doigtés aussi, même pour un accord septième en plus. Mais pour l'instant, c'est les essentiels à savoir aussi pour être capable de transposer rapidement. Puis aussi d'être capable de dire, OK, je suis capable d'aller chercher mon mi bémol, puis faire ma gamme de mi bémol majeur quand je veux, où je veux, c'est-à-dire, vous l'avez, basse cinquième ici, vous allez voir, comme ça va vous permettre, exemple, vous avez, je ne sais pas, un blues à faire en si bémol, puis vous avez les trois accords de base, c'est si bémol, mi bémol, fa, rapidement, vous allez faire si bémol 7, mi bémol 7, fa 7, et voilà, c'est réglé, puis là, je peux improviser là-dessus. Ça vous tend, au lieu de prendre les basses 6e corde du si bémol, ben je peux aller chercher ici le si bémol 7. Aussi, hein, faut bien s'amuser aussi. Donc, si bémol 7. Qu'est-ce que je disais par là? Oui, c'est ça. Fait que la prochaine fois, je vais vous montrer aussi, on a vu les gammes majeures à date, les trois sortes de gammes mineures. On va voir mineur pentatonique la prochaine fois. Il va y avoir mineur pentatonique 6, la gamme blues, avec toutes les inversions qu'il y a à apprendre pour chacune d'elles. Et on va le mettre toujours en relation avec une backing track, c'est-à-dire une séquence d'accompagnement. Donc, vous allez pouvoir improviser, mettre en pratique tout de suite quand vous allez apprendre le doigté sur une séquence d'accompagnement. Fait que c'est plus facile aussi que d'aller apprendre juste comme ça dans les airs et d'essayer de s'en souvenir. Fait que quand on la met déjà en contexte, on acquiert déjà des réflexes pour la retenir, tout ça, parce qu'on entend aussi. Puis on retient souvent les notes qu'on aime beaucoup entendre. Souvent, mettons des solos que vous avez déjà appris, ça peut ressortir aussi à travers ces gammes-là. Fait que bref, voici pour le topo des 72 accords. J'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou de partager si vous connaissez des gens qui sont amoureux de la guitare. Puis, vous pouvez continuer à m'écrire, à me poser des questions, ça me fait plaisir. Il y aura la partition prochainement qui sera disponible avec tous les détails des accords que je vais montrer dans la capsule 3 et aussi une séquence d'accompagnement. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et à bientôt pour la capsule 4. Merci, ciao!